Bon, qu'est-ce qu'il veut le diable? Je souhaite que nous puissions ouvrir. De manière. Pourquoi y a pas écrit Satan sur ton front, enculé? Une politique agricole commune qui se pense d'abord avec deux objectifs. Nous protéger face à ces grands aléas, à la volatilité des marchés mondiaux qui pourraient mettre en péril. Ouais, en gros, c'est mettre des flics partout, contrôler tout. Nouvel ordre mondial. La grande transition agricole européenne. Tu vois un coup de boule, toi? Et laisser plus de flexibilité au niveau des pays pour organiser la vie des territoires. T'as un extincteur dans le trou du cul, toi? Mettre moins de bureaucratie. Laisser au niveau régional accompagner de manière plus souple les filières, partout où des choix qui restent des choix collectifs de terrain sont nécessaires. L'exigence des Européens. T'en veux que je te mette une sauce Rothschild dans ta gueule? Les aliments et les produits qu'ils utilisent au quotidien. Et cela participe de cette sécurité alimentaire que j'évoquais. Mais qu'est-ce que c'est alimentaire? Aussi que l'échelle européenne est incontournable. Je n'ai plus des accords. Pour des produits de merde, des OGM de merde. Avec ce qu'il convient d'appeler désormais la crise des œufs. Crise nous avons des vu œufs. Que les dysfonctionnements à un endroit de l'Europe, parce que nous sommes un marché intégré, ont des conséquences partout en Europe qui peuvent jeter le doute sur notre sécurité alimentaire, avec une demande parfaitement légitime. T'en as rien à foutre, tu bouffes du caviar, t'as des putes, t'as de la coque. Il nous faut donc établir. Oh, le pauvre Bernard Tapie, il a un cancer. Pour lutter contre les fraudes. Mais il l'a pas volé. Garantir la sécurité alimentaire. Assurer le respect. Au moins ça, il l'a pas volé. Partout en Europe. Cette transformation, nous devons aussi la conduire. T'es une perruque ou quoi, ta frange? Genre, je bois de l'eau. Et à cet égard, je soutiens le choix du président Juncker de mettre fin partout en Europe au double standard et de faire que cette force puisse être le garant de cette convergence légitime. Ouais. L'exigence des Européens, c'est d'avoir aussi confiance dans les experts qui nous éclairent. Nos récents débats. Mais t'en as rien à foutre de tout ça, toi. C'est toi qui finance le Daesh et tout ça avec Donald. Donald Trump et Macron en boîte. Tout ça à la sauce Rothschild. Et de proposer des alternatives. C'est indispensable. Nous avons aujourd'hui le pouvoir part pour avec les peuples, c'est tout. Qui parfois cherche à se substituer au débat. Là, ça a toujours été pour les riches. C'est la science qui doit éclairer la dangerosité, mais qui doit ensuite, de manière indépendante, transparente, pas compliqué, indiquer les alternatives possibles. Mais qu'est-ce que t'es transparent d'où, toi? En aucun cas, cette science ne doit s'effacer. Avec ta mèche à l'avant, là. Elle vaut 20 000 ou quoi? À ce moment, des paroles. Allez, bah, je vais manger ma tuche. Des paroles d'autorité, ni a fortiori. Ne doit a fortiori, ces inconnus, ça. Bon, on rentre, on va taper le rapport. Public, qui est celle